La Matmute vous présente la quotidienne. Rebonsoir, si vous nous rejoignez maintenant, eh bien c'est la P2, la seconde partie, le supplément en quelque sorte de la quotidienne sur LCN, toujours en direct. Voilà, Félix et moi, on a le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission de fin de semaine, avec maintenant un sujet qui est on ne peut plus d'actualité. C'est le sujet de la Saint-Valentin. Bien sûr, on va vous parler de la météo, mais vous présentez tout de suite Viviane Godel. Viviane, vous êtes la directrice de Unisys. C'est cela. À Rouen. Donc, à Rouen et au Havre. Agence matrimoniale bien connue, vous allez nous expliquer. Et puis on reçoit alors 3 célibataires. Pas facile peut-être de venir à la télé pour nous parler de ça. D'abord, merci, un grand merci, avec dans l'ordre d'apparition à l'antenne, Claudine, Cathy et Anne-Sophie. Alors, on va voir avec vous quelque chose d'amusant, c'est que, bah, écoutez, vous êtes, pardonnez-moi, vous êtes de jolies femmes, vous semblez avoir de nombreux atouts, et pourtant, on en parlera aussi avec Viviane, pas facile de trouver l'âme sœur. C'était intéressant d'en parler tous ensemble au cours de cette journée de Saint-Valentin. Pour l'instant, la météo, on va voir à quelle sauce on va être mangé. Pas trop d'espoir, hein? Pas trop d'espoir pour le week-end. Eh bien, on a proposé à Claudine, qui peut-être embrassera une nouvelle carrière de Miss Météo plus tard, qui sait, de vous présenter la météo. Voilà, les cartes vont partir, Claudine, et vous pouvez nous dire ce qu'il en est demain. Eh bien, pour la météo du samedi 15 février 2014, un ciel relativement dégagé en matinée, avec des éclaircies. Malgré tout, quelques averses, rares mais possibles sur les côtes de la Manche. Et du vent de 30 à 50 km/h, avec des rafales allant jusqu'à 80 km/h. Il faudra donc attacher les chignons. 7 à 9 degrés le matin, 8 degrés sur la côte et 7 degrés le minimum à Neuchâtel-en-Bray. L'après-midi, pour ne pas changer, retour de la pluie. Et toujours du vent sur la Haute-Normandie. Des rafales pouvant encore aller jusqu'à 80 km/h. La pluie devrait toutefois se calmer en soirée et laisser place à quelques éclaircies. Enfin, les températures l'après-midi oscilleront entre 9 et 10 degrés. Un petit réchauffement donc. Et puis n'oublions pas que c'est la Saint-Claude, et j'en profite pour, en tant que Claudine, de faire appel à toutes les Claudines, Claudia, Claudette, Claudio, etc., pour se rallier au Claude pour cette fête, puisque nous ne sommes nous plus des saintes, on n'est plus dans le calendrier. Donc profitons du 15 février. Voilà, lever soleil à 8h05, coucher 18h15, et malgré tout 10h10 d'ensoleillement. Mais tout ça me paraît fort complet. Alors plutôt que d'appeler les femmes pour la fête, appelez les hommes, Claudine, hein, ça sera peut-être un peu plus favorable. Oui, bon, Claudio, Claude, Claudius. Bon, très très bien. Alors, les chiffres sont là. Les chiffres sont là, juste pour fixer le décor. 16 millions de célibataires en France, ce sont des chiffres 2012. Selon l'INSEE, 8 millions de personnes vivent seules, dont 60% sont des femmes. Patrick Juvet, à une époque d'ailleurs, avait chanté « Où sont les femmes ?» J'ai l'impression, et vous nous en parlerez, qu'il faudrait peut-être plutôt chanter aujourd'hui « Où sont les hommes ?» Vous allez nous dire. Pour finir sur les chiffres, eh bien, la moitié des personnes qui vivent seules ont plus de 60 ans. Et alors, ce qui est marrant, c'est que la première des villes qui est inondée, remplie de célibataires, c'est Lille. Et je crois, sans trop me tromper, que la troisième ville française où il y a le plus de célibataires, c'est Rouen. Voilà, donc on réatterrit en Haute-Normandie. Alors, mesdames, on va peut-être commencer par Anne-Sophie qui est à côté de moi. Anne-Sophie, qu'est-ce qui se passe quand on est, je le redis et je me permets de le dire, une jolie femme, qu'on est dans l'épanouissement de l'âge, où sont les hommes ? Eh bien, je voudrais bien le savoir. Alors, ils ne sont pas dans les clubs sportifs, ce n'est pas faute de ne pas en faire. Alors, on parlait tout à l'heure des sites de rencontres. Alors, les sites de rencontres, on va en reparler. Mais est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, alors que tous les moyens de communication sont là, il n'a jamais été aussi facile de rentrer en communication avec d'autres personnes, Internet, bien évidemment, et tout ce qui va avec, les réseaux sociaux, et pourtant, rien ne s'arrange. À une époque, Claude Lelouch, le réalisateur de cinéma, je l'ai entendu dire, vous savez, en 2000 ans, tout a fait des progrès, sauf l'amour. C'est vrai, ça, Viviane Godal ? Tout à fait, certainement. Rien n'a fait de progrès en amour depuis 2000 ans. Non, je pense pas. C'est pour ça que des personnes comme vous ont encore leur intérêt d'être et leur raison d'être. Plus que jamais, d'ailleurs. Alors, on va revenir sur l'agence matrimoniale. Cathy, très dur de trouver l'âme sœur. Ah oui, très dur. Racontez-nous un peu. Moi, je n'ai pas réussi à trouver l'âme sœur ces 20 dernières années, quand même. Quand même. Pourtant, ah oui, ça commence à s'accumuler. J'ai rencontré beaucoup d'hommes, plus charmants les uns que les autres. Mais... Claudine, vous confirmez ? Pas facile ? Pas facile. Moi, pourtant, je fréquente des endroits en tant que loisir où il y a des hommes. Je vais danser, le rock, le tango argentin.
Il y a beaucoup d'hommes, mais bon, des relations qui ne sont pas... ne sont pas durables, on va dire, voilà, malheureusement. Donc là, on est dans un célibat choisi ou pas du tout subi? C'est-à-dire qu'à un moment de sa vie, on a peut-être envie d'être libre, de papillonner. Ah oui, on t'elle choisi de papillonner et de vivre seule, Catherine. À un moment donné, ça a été subi. Aujourd'hui, je suis plus sûre, effectivement. Ah, ouais. C'est pas si mal de vivre seule? Il y a quand même des avantages, et puis effectivement, on prend Anne-Sophie, l'habitude. Comme disait Félix, on papillonne et c'est bien. Non, c'est bien, ça peut être bien, mais moi, c'est pas ce que j'aimerais. J'aimerais rencontrer quelqu'un avec qui je serais bien. Alors, je dis pas vivre avec cette personne, parce que, en fait, c'est bien de vivre seul quand même. Ah, il a raison, voilà. La question de Félix, était très bonne. Non, mais... Finalement, Viviane Godel, et si ces femmes qui prétendent chercher l'amour, finalement, n'étaient pas si mal que ça toutes seules? Celles que je vois, je peux vous dire que quand elles viennent chez moi, c'est vraiment pour réussir une histoire durable. Hein. Oui. Moi, je n'ai pas de femmes qui viennent en disant « je rencontrais en dilettante hein. ». Elles veulent vraiment reconstruire ou construire quelque chose de durable. Voilà. Je pense que quand on dit qu'on est bien toute seule, à mon avis, je n'y crois pas trop. Hein. Je ne connais personne qui soit bien toute seule. Bien sûr, c'est bien d'être seule par moment, mais bon, c'est quand même merveilleux d'être à deux. Hein. Voilà. Alors, donc, ce que vous dites, c'est que finalement, elle nous la joue un petit peu. Voilà, elles n'ont pas rencontré, donc elles vous la jouent un petit peu. Oui, elle c'est bien toute seule, absolument. Bon, vous nous la jouez Ah oui, non, moi, je ne cherche pas à papillonner. Moi, je cherche... effectivement, comme Anne-Sophie, une relation durable. Alors, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Parce qu'on en a parlé avant l'émission. Vous m'avez dit, des hommes, finalement, je rencontre, et vous le dites. Et qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Je pense que je ne rencontre pas les bons. Voilà. Alors, soit je ne suis pas capable d'attirer les bons, soit, je ne sais pas, ceux qui me plaisent, je ne leur plais pas, ceux que j'attire... Enfin, je ne sais pas, il y a un truc. Anne-Sophie, vous en rencontrez aussi des hommes? Oui, alors je ne rencontre pas les bons non plus. Et vous les rencontrez où? Diagnostic, dans le cadre du travail, dans les boîtes, évidemment. Le rock, le tango, c'est pas des boîtes, c'est quand même des activités avec des passionnés. Oui, mais il y a beaucoup de couples mariés justement qui vont danser. Non, vous avez beaucoup des vieux messieurs qui sont un peu. Ah, des vieux messieurs, oui, il y en a. Des très jeunes. Bon, oui, c'est la Saint-Valentin. On est en plein dans la Saint-Valentin. Il y a tous ceux qui sont en couple, c'est leur journée. Mais alors, ce sont des cœurs à prendre. Regardez bien Claudine, Cathy et Anne-Sophie, parce que tout à l'heure, on va vous donner une adresse et vous allez pouvoir leur écrire. Alors, parlons maintenant des rencontres, des sites de rencontres. Vous avez eu cette expérience-là. On voudrait votre avis sur ces sites de rencontres. On voudrait quelques anecdotes. Expliquez-nous. Qui commence? Claudine. Moi, je vais bien. Enfin, moi, je pense que j'en ai fait beaucoup. Ouais. Ça marche ou ça marche pas? Si je suis là à vous en parler, des rencontres, on en fait. J'ai essayé pas mal de sites. Je sais pas si je peux donner les noms. Mais bon, il y en a beaucoup. Enfin, on les connaît tous. Peu importe. Ouais, j'en ai fait beaucoup. On les connaît tous. Le point commun, c'est qu'en fait, je pense que les personnes sont toujours très pressées, finalement. On rencontre des gens, mais qui ne souhaitent pas forcément s'investir durablement. Ouais. Voilà, il y a ça. Par contre, dernièrement, j'ai... Une anecdote. C'est-à-dire que quand on rencontre la personne, après avoir... Si on a trop écrit longtemps avant de la voir, on a peut-être une déconvenue. Ou au contraire, s'il y a vraiment une affinité, ça va mieux. Alors, Cathy, une anecdote aussi de rencontre. Alors, moi, j'ai rencontré plusieurs personnes. Et pour l'anecdote, j'ai rencontré une personne dans le cadre de mes activités professionnelles. Et finalement, cette personne s'est dit célibataire. Or, il était en fait marié encore, juridiquement parlant, affublé d'une maîtresse en titre depuis 20 ans. Alors, le type, il est marié, il a une maîtresse et il rencontre quelqu'un. Et il se dit célibataire. Viviane Godel, c'est souvent qu'on rencontre des hommes qui ont des comportements comme cela. Peut-être des femmes aussi. Non, pas chez nous. Dans la vie courante, bien sûr. Il n'y a que ça. Bien sûr. Heureusement, Félix, il y a aussi des gens comme nous qui sont sérieux. Hein. Non, mais dans la vie courante et sur les sites, évidemment, il y a plein de gens mariés, c'est évident. Hein. Il n'y a aucun contrôle. Anne-Sophie, anecdote, site de rencontre? Non, pas d'anecdote. En fait, ce que j'aimerais dire sur les sites de rencontre, c'est que on ne peut pas se rencontrer sur un site, en fait, parce que c'est du virtuel. Bah, évidemment. Donc, moi, je ne reste pas sur le site à pianoter, à discuter comme ça. On se voit, on prend un café ensemble, et puis quelque chose ou il ne se passe pas quelque chose. Après, voilà. Viviane Godel, je suis sûre que vous n'êtes pas très fan des sites de rencontres sur Internet. Pas du tout. Non, moi, je leur dis merci parce que grâce aux sites de rencontres, nous n'avons jamais aussi bien fonctionné. C'était ma deuxième question. Voilà, j'ai ouvert une agence au Havre depuis 2 ans grâce aux sites de rencontres parce que nous voyons
tous les déçus des sites, parce que sur les sites, il n'y a absolument aucun contrôle. Il y a beaucoup d'hommes mariés, de femmes mariées aussi, parce qu'il n'y a pas que les hommes. Hein. Donc voilà. Chez nous, tout est contrôlé. Hein. Comment vous contrôlez l'état matrimonial ? On demande tous les documents. On demande photocopie de pièces d'identité, justificatif de domicile, veuvage ou divorce, attestation sur l'honneur. Vraiment, tout est contrôlé. Enfin, il y a des choses qui peuvent vous échapper aussi. Il ne faut pas que je tape. Il y a des choses qui peuvent absolument vous échapper. Pas. Ça non, fait 15 ans que je fais ce métier. Je peux vous dire que jamais un adhérent ou une adhérente m'a dit « Vous m'avez présenté quelqu'un qui n'était pas qui il était. » Chez nous, tout est contrôlé. Donc, ça vraiment. Frique, hein. C'est-à-dire, vous les mettez d'abord en garde à vue. Non. Ça se passe très bien. Mes adhérents m'adorent et je les adore. Hein. Donc non, ça se passe très bien, mais simplement plus c'est sérieux. Plus sérieusement, avec toutes ces déçus, et elles sont nombreuses, des sites de rencontres, on en entend parler autour de nous, nos voisins, nos amis. Finalement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'agence matrimoniale, elle remonte dans le cœur des gens en se disant « C'est un travail sérieux ». Mais bien sûr, nous on a 110 agences en France, il y en a même à l'étranger, évidemment ça remonte, bien sûr. Alors Claudine, je crois que vous avez justement eu recours au service d'une agence matrimoniale, et vous ça n'a pas forcément bien marché, avec l'explication. Non, alors justement oui, j'ai essayé il y a un moment, j'avais un contrat en fait qui était sur 6 mois, oui. Et l'engagement c'était 6 personnes qui devaient m'être présentées en 6 mois. Manque de peau ou pas, le premier homme qu'on me présente était très bien. Enfin, disons, j'ai cru. Relation de 4 mois, et donc j'avais plus que 6, mais ce qui s'arrête au bout de 4 mois. Il ne me restait que 2 mois pour mon contrat, et la personne n'a pas voulu il a fallu que je négocie pour avoir droit aux 5 autres candidats possibles. Mais sinon, j'avais plus que 2 mois pour les avoir. Alors, Viviane Godel, directrice d'Unicis à Rouen, réaction par rapport à ça? Alors, nous, la différence, c'est que nous ne faisons pas de contrat de 6 mois, parce que ça, c'est carrément bidon. C'est beaucoup trop court pour rencontrer quelqu'un. Chez nous, vous avez un contrat à durée indéterminée, qui est reconductible jusqu'à 40 rencontres. Et vous ne les verrez absolument jamais parce que ça n'existe pas. Voilà. Donc vous avez un contrat, vous êtes sûr de réussir. C'est la différence. C'est pour ça que l'on existe toujours, tout simplement. Viviane Godel, vous qui êtes une spécialiste de la rencontre, une spécialiste des rencontres réussies, qu'est-ce que vous dites quand vous voyez ces trois femmes? Écoutez, moi je les vois là comme les téléspectateurs de LCN à l'antenne. Franchement, enfin, ça donne envie. Je leur dis chez Unicis, hein, c'est tout ce que je peux leur dire, hein, tout simplement. Non, mais sérieusement, vous pouvez absolument rencontrer, mais je pense déjà qu'il ne faut pas rêver non plus, parce que bon, les trois quarts du temps, on espère rencontrer le prince charmant, qui n'existe pas quand même, voilà. C'est ce que je dis à mes adhérents, ne rêvez pas, voilà, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un de bien, et puis peut-être arrêter d'aller sur les sites plus ou moins bidons, parce que ça, là vous n'aboutirez pas. En boîte pas, de nuit, sûr. Voyons, c'est pas sérieux. Mais en boîte de nuit... Enfin, vous êtes inspirés par Viviane. Les filles. Non, mais par centre d'affinité. Moi, je fais partie d'un club de voitures aussi, par exemple. Bon. Alors, il y a des hommes. Claudine, Cathy et puis Anso, si vous avez apprécié chacune, est-ce que vous pensez que peut-être qu'elle correspond à... Excusez, Viviane Godel, excusez-moi, on va faire un peu l'agence matrimoniale. Ça n'est pas de la concurrence déloyale. Non, pas du tout. Eh bien, vous êtes téléspectateur d'LCN, vous voulez rentrer en contact avec Claudine, avec Catherine ou avec Anne-Sophie, vous pouvez leur écrire. Vous envoyez un mail à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Allez-y. Donc, allons-y, la quotidienne. La quotidienne at lachaînenormande.fr, et vous dites si vous voulez que Claudine, Cathy ou Anne-Sophie vous contactent, vous donnez quelques éléments d'information, vous dites qui vous êtes, voilà, et vous tentez votre chance. Vous voyez, elles sont ouvertes, elles sont prêtes, elles cherchent l'amour. Elles cherchent l'amour, hein, attention. Oui, le vrai, l'amour durable. L'amour durable. L'amour durable. Avec un grand A. Hein. La vraie relation. Absolument. Voilà, puisque. Oui, Cathy, une dernière chose. Je vais poser une question à Félix. Êtes-vous célibataire, Félix? C'est ma vie privée. Bon, vous voyez, Félix, quand on passe à la télé, eh ben, on se donne la chance d'être associé par des... C'est la fête des célibataires, alors... pour messieurs, même si vous n'êtes pas célibataire. Je l'accepte volontiers. Ouais, voilà, un petit cadeau. Félix l'accepte volontiers, donc. Félix. Bon, enfin, j'ai noté, Félix, que vous ne laissiez pas insensible Cathy. Hein, c'est l'impression que j'ai eue. Bon, vous êtes formidable. Merci beaucoup, Viviane Godel, directrice d'Unicis à Rouen. Merci, Claudine, merci, Cathy et Anne-Sophie. Et puisque vous avez accepté de venir nous parler de ça, ce qui est encore une fois pas facile, je voudrais vous faire le cadeau d'un grand séducteur. Écoutez la musique qui va arriver. Écoutez cette musique. Elle arrive très vite, incessamment, sous peu, la musique. Voilà. Bon, c'est une musique, c'est... Regardez qui arrive.
Regardez, voilà un séducteur, il va apparaître bientôt à l'écran. C'est le Barry White des jardins. Venez, c'est le séducteur des jardiniers. C'est celui qui fait frémir les boutures. Il y en a un autre ici. Vous faites frémir les jardins, vous faites des ravages dans les enclos. Eh bien, vous l'avez reconnu, c'est notre ami Rodolphe, le jardinier de LCN. D'habitude, il a son tablier, il a son chapeau, mais là, il est vraiment un séducteur absolument irrésistible. Alors, Rodolphe, vous avez voulu à la fois toutes ces dames, Viviane et nos trois célibataires, eh bien, leur décréter un peu votre flamme à votre façon. On vous écoute. Voilà, puisqu'ils étaient toutes les trois charmantes, je vais leur dédier un beau poème. Donc, je vais essayer d'être... Un beau romantique. Un beau poète, hein. Alors, pour aimer, il faut être deux. Pour aimer, il faut être amoureux. Tant d'amour factice dans ce monde propice aux relations douloureuses. Vraiment, pour aimer, il faut être courageuse et tout donner. Bravo, alors on vous applaudit. En même temps que vous voyez, ces trois célibataires sont absolument charmés par le bouquet qui nous a été offert par les jardineries Truffaut, notre partenaire Truffaut, qui s'est associé à la quotidienne ce soir pour vous faire plaisir, mesdames, et pour vous inciter à rester très positives. Merci d'avoir enlevé vos lunettes. Tiens, regardez la caméra en face. Montrez votre air de séducteur, Rodolphe. Montrez comme, effectivement, vous avez le regard de French lover. C'est la French touch, hein, absolument. Voilà. Bah écoutez, Rodolphe, vous pouvez taper 1, 2 ou 3 s'il y a une des trois célibataires qui vous intéresse. Hein. Oui. Voilà. Voilà. Merci encore, Rodolphe. N'oubliez pas vos lunettes. Merci beaucoup, toutes les trois. Et encore merci à Truffaut, notre partenaire, grâce auquel, d'ailleurs, toutes les rubriques de Rodolphe intègrent et arrivent à l'antenne. Merci. Maintenant, on va s'occuper pour être en forme, pour être beau et pour séduire. On s'occupe de notre corps avec Jérôme Coge et Corinne, qui est très fidèle aux exercices qu'il vous propose tous les vendredis soirs. En forme sur la chaîne Normande avec Être Sport. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Effectivement, on est fidèles et Corinne est fidèle pour un soir de Saint-Valentin, ça tombe bien. Bonsoir Jérôme, notre coach sportif. On est parti, on fait quoi ce soir? On est parti. Eh ben, ce soir, on voit d'autres exercices pour les abdos. On a fait un petit peu le tour du corps ces derniers temps. Donc, on revient sur les deux exercices d'abdos et on va réviser un tout petit peu deux étirements, hein, puisque les étirements, on avait vu ça il y a très longtemps. On y va? Donc là, on va travailler les abdos grand droit, c'est-à-dire la tablette de chocolat, et les obliques qui ferment l'abdomen sur les côtés. Donc pour cela, on va travailler jambes levées. On va aller chercher la cheville gauche avec main au-dessus de la cheville, main en dessous. Les deux chevilles. Les deux, Corinne. Je ne suis plus déjà, Corinne. La cheville droite, main au-dessus, main en dessous. La difficulté, c'est quoi? C'est de plier, de ne pas être bien positionné? Donc la difficulté, c'est de bien faire le travail des épaules à chaque fois. D'accord, et de ne pas tomber dans la fatigue avec à travailler uniquement les bras. D'accord, ce qu'on a tendance à faire quand on fatigue. Donc vous faites ça 10 allers-retours. Donc un aller-retour, c'est gauche, milieu, droite. Allez Corinne, milieu, gauche. Ça fait 1. Vous faites ça une dizaine d'allers-retours. Et puis vous faites une pause de 30 secondes et vous recommencez. Vous faites un nombre de séries d'allers-retours. Voilà. Ensuite, pour les spécialistes ou pour ceux qui commencent un peu? Il faut déjà avoir travaillé un petit peu les exercices qu'on avait fait auparavant. C'est pour tous ceux qui nous suivent depuis de nombreuses semaines, ceux qui commencent maintenant, vous regardez tout ça en replay. Il faut avoir déjà bossé un petit peu pour réussir cet exercice. Corinne, tu vas venir te mettre devant moi. Maintenant, on va travailler un exercice qu'on travaille à deux. Voilà. Donc là, Corinne va s'accrocher à mes chevilles. Et elle va bloquer les jambes, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas bouger. Et moi, mon objectif, c'est justement de lui faire bouger les jambes. On a tous fait ça à l'exercice de sport. On pousse, sur les côtés pour travailler les obliques. Voilà, donc expire bien sur la résistance. Hop, donc là, c'est un peu le piège. Alors, on se méfie toujours parce que quand on fait bosser l'autre en premier, il se venge après. Voilà. Alors, il y avait aussi un autre exercice qu'on faisait tous à l'école, c'est qu'il fallait renvoyer les jambes et se retenir avant que ça tombe. Alors. Oui, il y a l'exercice qui consiste à laisser descendre les jambes au sol. L'inconvénient, c'est que si je le montre là à nos téléspectateurs, je ne suis pas assuré qu'ils protègent bien leur dos. D'accord. Ni qu'ils aient une bonne santé. D'accord. Au moment où on descend les jambes et qu'on les remonte, le dos creuse. Je préfère éviter de le montrer. D'accord, très ici. Voilà, donc ensuite, quand on a travaillé ça, il y a quand même deux étirements principaux à faire pour les grands droits et les obliques. Donc pour les grands droits, on va prendre les mains, regarder ses mains en essayant d'aller toucher le plafond. On tire, donc là ça doit étirer
le devant du ventre. Faut être le plus droit possible, j'imagine. Voilà, le plus droit possible. On essaie de ne pas se cambrer vers l'arrière pour ne pas faire mal au dos. On va le mettre juste de profil. De profil. Voilà, parfait. Voilà. Ensuite, on relâche. Et pour travailler les obliques sur les côtés, pour les étirer, on va passer un bras par-dessus. On va aller attraper avec l'autre main le coude. On va tirer sur le coude et envoyer l'épaule vers le plafond. Ça doit tirer dans le flanc sur le côté, d'accord, et dans les triceps. Ensuite, on relâche et on va faire l'autre côté. Hop. Donc ça, après chaque séance d'abdominaux, alors, on fait ça. À la fin totale de la séance de travail, on fait cet étirement. Vous faites donc 20 secondes maximum par durée d'étirement. Au-delà, il n'y a pas de bénéfice supplémentaire pour le muscle. Il vaut mieux faire 3 séries de 20 secondes qu'un étirement d'une minute. Alors, on rappelle, voilà. Les étirements, ça évite quoi? Alors, les étirements, ça permet de bien récupérer, ça aide les fibres de collagène du muscle à bien se réaligner pour se réparer, puisque le travail musculaire crée des micro-lésions vasculaires et musculaires. Et donc, ça aide à mieux réparer. Ça aide aussi à protéger le muscle des étirements, un muscle qui est habitué à être étiré. Si un jour on fait un mauvais geste, il souffre moins de cet étirement. C'est vrai qu'on a le réflexe des étirements quand on fait un peu de sport, quand on court et tout ça, mais pas forcément des étirements sur la partie haut du corps. Et non, et pourtant, ça aide à moins souffrir, vous calmerez les douleurs sur les grâce aux étirements sur les exercices, on évite d'avoir des douleurs dès le lendemain. Quoi. Effectivement. Voilà, merci Corinne, merci Jérôme. Comme chaque vendredi soir, un petit point sur les rendez-vous. Tout d'abord, roller hockey ce samedi 15 février à 18h. Les Spiders de Rouen reçoivent les Écureuils d'Amiens. Donc si vous aimez le roller hockey, rendez-vous à la MJC de Rouen, rive gauche. Ce sera donc demain à 18h. Toujours samedi, l'Evreux Volleyball, lanterne rouge de la Ligue A féminine, reçoit Mulhouse, deuxième, à 18h15 à la salle Jean Fourré. Depuis déjà deux semaines, les volleyeuses reçoivent donc à la salle Jean Fourré, c'est la salle de la LM d'Evreux et non pas salle Canada. Ce samedi soir, volleyball pour les garçons, mais cette fois-ci à Rouen, avec l'Amicale Laïque contre le Marom, première, qui reçoit au Kind Arena à 20h, le Plessis Robinson, septième du classement. Et puis on passe à dimanche avec deux rendez-vous. Tout d'abord, le Stade Rouennais Rugby reçoit Daumont, la seule équipe qui, au match aller, les avait battus. Eh bien, petite vengeance forcément pour les Rouennais. Ce sera donc au Stade Mermoz à Rouen à 15h. Et ce dimanche, pour ceux qui voudront se protéger de la pluie, vous pourrez aller au Kind Arena pour voir du handball. La Créa Handball, donc 5e de National, reçoit Cherbourg, leader. Donc un match dont le coup d'envoi sera donné à 16h. Voilà pour les rendez-vous. Nous, on se retrouve pour le sport lundi. On parlera de l'AAC couronne, donc tennis, et puis de Ligue de Normandie de handball. Ce sera juste après la quotidienne. Sylvain, Félix, je vous rends à vos demoiselles. Tous en forme sur la chaîne Normande avec Être Sport. Il est 19h04 sur LCN en direct. On est toujours avec nos trois célibataires. Ça va être la fin de l'émission. Claudine, Cathy et Anne-Sophie. Voilà, eh bien, écoutez, on va les cadrer en gros plan. Vous allez faire la plus belle expression dont vous êtes capable parce que la Haute-Normandie vous regarde. Qui peut vous écrire? Il y a déjà, d'ailleurs, le standard m'a dit qu'il y avait déjà quelques mails qui sont arrivés. Je ne dis pas pour qui, je laisse le suspense. Voilà, donc, notre première célibataire, cœur à prendre, c'est Claudine. Voilà, Claudine, elle est charmante. La deuxième célibataire, c'est Cathy. Cathy, voilà, donc vous pouvez lui écrire également. Et puis notre troisième célibataire, c'est Anne-Sophie. Elles sont toutes les trois absolument charmantes. Donc la quotidienne at lachaînenormande.fr, le mail, lacotidienne@lachaînenormande.fr, vous pouvez choisir de contacter Claudine, Catherine, Cathy ou Anne-Sophie. Et puis... C'est plus la quotidienne, c'est tourner manège. Voilà, écoutez, on pouvait se permettre un soir de Saint-Valentin, il y a beaucoup de bonne humeur, et puis vous avez contribué à ensoleiller, mesdames, le plateau, on vous en remercie. D'ailleurs, Rodolphe, le séducteur des jardins, ne s'en remet pas. L'homme qui fait frémir les boutures, eh bien, allez, déclamez, Rodolphe, votre dernier poème. Allez-y, on J'ai t'écoute. Trouvé un dernier poème, allez-y. La rose et le cœur. Ça tombe bien. Dans une rose, un cœur. Dans un cœur, une rose. Si la rose n'existe plus, le cœur cesse de battre. Oh, mon amour, je ne supporterai pas que tu partes. Ben voilà, ben vous restez. Dédicacé à Sandrine.
Voilà, donc encore une fois, l'adresse mail la quotidienne @lachaînenormande.fr pour rentrer en contact avec nos trois célibataires, bien sûr, et pour nous envoyer tous les messages que vous voulez. Maintenant, c'est fini pour la P2 de la quotidienne. On va passer à Julien Dupanchel. C'est Tout est permis en Haute-Normandie. Vous allez pouvoir entendre un love coach. On reste avec nos trois célibataires. Il y aura aussi le quiz de l'amour. Bref, ça continue sur LCN. Bonsoir à tous. On dit bonsoir. Bonsoir à tous. Et on vous retrouve, vous, juste après. Et nous, pour la quotidienne, on vous dit à lundi. Bon week-end. Ciao. La Matmut vous a présenté la quotidienne.